la team Dark, c'est Darkius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo assez spéciale, qui est pour ouvrir le gros pack de Noël, mais en nouvel an, du coup, voilà. Mais en gros, les gens, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, ça aurait dû être une série comme Halloween, ça aurait dû être une série hors série, justement. Mais là, du coup, ça va être les séries 5, Panique à la fabrique à jouer, voilà. D'ailleurs, j'ai eu ça, ils m'ont donné ça, enfin, voilà, maintenant, ils mettent plus de scotch. Donc, 2022, bonne année. Ça coûte que 3 d'élixir, 2022. Faites 22 PTS à l'adversaire. Donc pour 22 élixirs, franchement, c'est beaucoup. 30 élixirs, 3 élixirs, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup, justement. Mais c'est énorme. C'est pour qu'on commande plein cette année 2022. Je suis désolée si j'ai crié. Bon. Du coup, on va s'ouvrir. Oh, mais le focus! Le focus, je déteste le focus, par contre. J'espère que la vidéo vous plaira, comme d'habitude. Hein. Je le dis dans toutes les vidéos, presque. Pas dans toutes les vidéos non plus, mais presque. Bon, vous savez quoi? Voilà, et j'en ai marre. Du coup, il y a un pack qu'on va garder, donc le plus gros. Il en reste un. Pack série Noël. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pack série Noël. Pack série Noël et méga. Donc celui-là, on va le garder. On va le garder et on se l'ouvrira un jour. Peut-être à la prochaine série. Oui, je pense que la prochaine... Je pense qu'à la prochaine série, on va s'ouvrir pack. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était dans ma boîte Sonic Color. Et non, dans quelque chose d'autre. J'ai cru que c'était dans mon placard, mais non, c'est bon. Dans Mega Pack de Noël. Voilà. Du coup, les gens, ça fait depuis la série 4 qu'on garde des packs quand même. Là, ça va être une série 5. Même de la série 3, non? Je sais plus. Parce que là, on est bien série 5. D'ailleurs, la série 6, ça envoie du lourd. C'est dans 16 jours, du coup c'est le 22 janvier. Rendez-vous le 22 janvier. Non. Si, normalement ça aurait été le 21. Mais puisque voilà, hier j'ai pas le temps. Donc voilà. Ces petites cartes. Du coup, il y a deux packs. Il n'y a pas souvent qu'il y a deux packs en fait. C'est pas souvent qu'il y a deux packs. D'ailleurs, ce soir, je vais commencer à faire les cartes de la série 6 qui sont géniales. Franchement, je vous mettrai un petit indice sur ma chaîne TikTok. C'est ma chaîne TikTok, c'est Darkius Naberel. Tout collé. C'est comme ma chaîne YouTube, mais sauf que là, vous collez tout. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, d'ailleurs. Du coup, voilà. Du coup, je vais faire un petit indice. Attendez, les gens. Alors, les gens. Bon. Du coup, on va ouvrir le pack. Donc, voilà. Ce pack, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais apparemment, il y a des bons trucs. C'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, il y a des bons trucs. Ou je par là. Comme d'habitude. D'ailleurs, on retrouve la petite carte, donc ils l'ont remis, mais sauf que. En fait, je crois qu'ils l'ont remis, mais en fait, je l'avais déjà, mais ils l'ont remis quand même. Du coup, c'est quand même, ça date de série 2. Ils l'ont fait la série 2 pour la série normalement 3, mais c'est pour la série 5. Donc, coûte 8 d'élixir. Cas d'empoisonner toutes les cartes de la main de l'adversaire se transforment en cravateur émaillé. Donc, t'as les 3 cartes qui se transforment en cravateur. Non, t'as une carte qui se transforme en. Ouais, 3 cartes cravateur, 3 cartes maillir. Quand même, c'est bien. Bon, après, au moins, t'as les pires cartes du jeu, tu vois. Parce que cravateur maillir, c'est les plus petites cartes du jeu. C'est dans le jeu, quand si le jeu existera, c'est d'autres cartes de base que t'auras, plus d'autres cartes de base qui vont être dans le set. Du coup, voilà. Donc, quand vous allez commencer le jeu, vous aurez que 6 cartes. C'est comme dans une game normale, vous avez que 6 cartes. Alors, donc type feu, Sapinos, Xapinor, qui est de type. Enfin, qui a 8 d'élixir, qui est de type flamme, du coup. 8 d'attaque et 5 de vie. Boost de Noël, Sapinor et Sapinos ont plus 8, plus 5. Déjà. Ah oui, c'est vrai. Mais quoi? Déjà, bah oui, déjà. Déjà, bah oui. Alors, du coup, on a Clochy, de type Noël, donc de type cadeau. 7 d'élixir, 8 d'attaque et 10 de vie. On t'a pas sonné. L'adversaire a moins 10. Attention. Oh my god. Oh my god. Oh. Il y en a combien des cartes comme ça? Il y en a 2 dans la série? Ou 3, je sais plus. En tout cas, c'est une belle carte parce que j'ai l'impression qu'elle fait mal. Donc, type cadeau, 18 d'élixir, donc c'est bon neige. Bonhomme de neige, mais bon neige.
19 d'attaque et 28 de... 28 de vie quand même. En plus, ce que vous savez pas, c'est que c'est... Avec ces cartes-là, c'est doublé. Donc, au lieu d'avoir 28, ça... 56, si je dis pas de bêtises. Bon, froid. Il a plus 14, plus 16 à chaque tour. Donc là, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 56, il aura 60... 72. Corrigez-moi dans les commentaires, mais en tout cas, je crois que c'est ça. Et on a des bonnes cartes hein, quand même. Hein. On commence avec de très très bonnes cartes. Franchement, c'est l'un de mes meilleurs openings. Avec l'opening d'Annoël. De Annoël, non, d'Halloween. La vidéo sera moins longue que les autres. Ou un peu plus, hein, comme ça. En tout cas, il n'y a pas 25 cartes. Hein, il y en a 12 ou 13. En tout cas, j'étais saoulé de faire un peu la série de Noël. Parce qu'après, j'avais plus trop d'idées. Du coup, j'étais un peu saoulé. Je voulais mettre une boule de Noël. Mais le problème, c'est que je savais pas comment faire une boule de Noël. Enfin, pas une boule de Noël, une boule de décoration, mais une boule à neige. Voilà. Alors, c'est encore 4 cartes. Du coup, on a Bonnard, de type micro, 11 d'élixir, 10 d'attaque et 11 de vie. Donc, je comprends pas pourquoi c'est pas un légendaire ou un truc. C'est Noël. Toutes vos cartes ont 5, ont plus 5, plus 3, donc c'est énorme. Déjà? Après, non, mais après, il y a toujours Mr. Candy Cane. Type cadeau, 6 d'élixir, 6 d'attaque et 7 de vie. Bombe. Il a plus 1, plus 4. À chaque tour, il fait moins 8, moins 7 à l'objet le plus proche. C'est vrai que c'est énorme. Oh my god. Non, mais en plus, j'ai vu la carte de derrière. Comme ça, c'est une super rare. C'est une ultra légendaire plutôt. Donc, le type cadeau. Vous allez comprendre le jeu de mots pourquoi j'ai pas mis de E à la fin de Guiriland. Parce que c'est là, on dirait clairement un truc de parc d'attractions. Alors, 13. Et moi, Guiriland, j'écris pas Guiriland. Mais moi, je vais faire un petit jeu de mots. Parce que dans Pokémon, t'as un Pokémon, si je me trompe pas, qui s'appelle Guiriland. Donc là, j'ai fait un petit jeu de mots. Donc 13 d'élixir, ouais, ça vaut bien cette petite légendaire. Hein. 16 d'attaque et 8 de vie verte. Couleur vive, il a plus 12, plus 10, plus 12 à chaque tour et il fait moins 19, moins 10 à la carte la plus proche. Il fait moins d'attaque, enfin il enlève plus d'attaque que de vie. Oh my god, non mais cette vidéo en fait, elle est bien. Hein, parce que vous savez que j'aime bien les pains d'épices. Donc, alors, type cadeau, 18 de luxure, ça vaut bien cette petite carte. 19 d'attaque, normalement ça serait pas comme ça. Et 21 de vie. Donc il s'appelle Gingerbread. Mignon et rapide. Il a plus 20, plus 21 à chaque tour. Quand même, hein, je le précise, c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Avec... Machallah. Non, mais avec l'autre, là, il est fort. Du coup, je récapitule ce qu'on a eu. Donc on a eu Guiriland, Bonneige, Clochy, Sapinor, comme ça, ça va miauler. Cadeau empoisonné, Mister Candy Cane. Bonne année. Bonnard. Gingerbready. Et voilà. J'espère que c'est pas que Panic vous aura plu. Donc du coup, je vais mettre un petit indice sur TikTok. La série 6. Surtout, écoutez-moi. Franchement, je vais vous donner un petit indice. Même là. Hein. Enfin, je vais pas le mettre sur TikTok vu que je vais vous donner un petit indice maintenant. Hein, en fait. Et bah c'est sûr. En gros, Ah, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Bah, en tout cas, c'est dans le ciel. C'est, pardon, où est-ce qu'il y a toutes les planètes et tout? Je vous souhaite une excellente journée. C'était Darkus.